deux choses l'une. Premièrement, je sais toujours pas faire de pompes sans les genoux, mais j'ai augmenté ma vitesse. J'arrive maintenant à faire 750 mètres en 4 minutes, alors qu'au début je galérais à faire 600 mètres. Donc ça c'est super. Et deuxième chose, je peux plus Paris fermer les vestiaires. Une abonnée est venue me dire que j'étais incroyable. Donc voilà, ça suffit pour. Ça suffit quoi. Attention, il y a eu une confusion par rapport à ma story de ce matin, mais des fois je comprends pas vos confusions. Là, plein de gens me disent ah, mais j'ai toujours. Pardon. Pardon, c'est pas gentil, la voix. Plein de gens m'ont dit j'ai toujours cru que tu disais hi bitches. Mais c'est le cas, les amis. Sur YouTube, sur Instagram, vous voyez bien que j'écris good morning besties tous les matins. Depuis bientôt 12 mois. Du coup, voilà, ça a été ma question. Je n'arrêterai pas de dire hi bitches sur YouTube, mais est-ce que je vous... Après, vous êtes vraiment mes meilleurs amis, donc... Pas mes vrais meilleurs amis qui sont vraiment comme ça. Good morning! Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, j'ai testé une recette que Julie Ferra a partagée sur son Instagram, mais j'ai fait l'erreur de remplacer la farine de flocons d'avoine par des vrais flocons d'avoine. Ça vous donne envie, peut-être? Moi, non. Goûtons ensemble dès le matin. Pendant. Vous demandez peut-être après avoir vu le titre, mais qu'est-ce qu'un point panda ? Ces points représentent le temps pendant lequel vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec quelqu'un. Pour la plupart des gens, un point panda équivaut à un mois d'abstinence sexuelle. Donc si cela s'est passé il y a un trimestre, selon ce terme, vous avez gagné 3 points panda. La meuf de... Waouh ! Oh non, oh là là, ça va pas fort. Oh, un cookie.